Dans un autre article, vous avez, bon, dans le même article, hein, le président allait très très loin. Il a dit que vous êtes les maîtres du showbiz de la diaspora. Il pourrait même fermer certains artistes. Ah bon? Mais quand on dit fermer, on peut dire et puis on peut l'assumer. Vous pouvez fermer des artistes? On peut fermer. Vous pouvez fermer des artistes? On peut fermer, bien sûr. Puisqu'on a eu l'habitude quand même de faire. Vous avez l'habitude de fermer les artistes? On a eu la. Quand il y a un manque de respect, on dit quand il y a foutaise, nous on fait ça tout le temps. Donc vous qui devez. S'il y a foutaise seulement, nous on peut. Même manière qu'on te fait, qu'on est même manière aussi on fait pour te fermer. Vous avez déjà fermé des artistes ivoiriens? Bon, on ferme deux jours après, on compte des. Attends. Vous avez vraiment la capacité de fermer des artistes ou c'est l'impression que vous-même vous avez? On ferme les gens vraiment. Wow. S'il y a une négociation après, c'est que d'une part, c'est qu'on fait, tu sens ça. En fait. Fermez en quoi faisant. Bon, d'abord, à Paris, tous les restaurants, c'est dans le 18e, en fait. La plupart des restaurants, on n'a pas à Paris. Il y en a aussi dans le 18e. Et les membres de la génération conscience sont tous à Paris. Mm-hmm. Les restaurants sont gérés. Nous, mais la génération conscience, on a moins 4 restaurants. Il n'y a pas assez de restaurants à Paris. Donc là-bas, il n'y a pas un restaurant par jour où il n'y a pas trois membres de la génération consciente assis. Ça n'existe pas. Et là-bas, c'est le télécommande. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je prends la commande, je joue tout ce que j'ai envie de jouer. Mm-hmm. Pendant des heures. C'est comme un jukebox. Donc, si moi, nous, on veut boycotter un artiste, on prend ça en 4 jours, en fait, ou bien une semaine. C'est-à-dire que où on est assis, on ne doit pas jouer son. Ils ont la capacité de le faire. Parce que justement, c'est une grosse force. On ne va pas jouer 250. Surtout quand ils veulent faire, quand il y a des concerts, ils font la communication, ça réussit. Bien sûr, ouais. Donc, s'ils veulent fermer un artiste, je pense qu'ils ont la possibilité de le faire. Ils viennent donner. Et s'il y a un artiste qui vient, il y a un manque de respect. Il n'y a pas un promoteur qui organise un concert à Paris sans solliciter la génération consciente. Donc, quand il veut faire venir, il y a un artiste qui doit venir dans ces deux temps-là pour faire un concert. Après, quand le corona va passer, ça passe un peu là. On entend une planifier dire il est venu à la maison à causer. On a dit si c'est lui-là, on ne le veut pas ici en France. Wow. Le promoteur est obligé de négocier avec nous pour qu'on puisse accepter. Parce que si on n'accepte pas que lui vienne, c'est pour tout. Lui, il a mis son nom dedans. Vous ne donnez pas un peu trop de pouvoir pour rien? Non, c'est pour donner pas le pouvoir. Nous, on a lutté aussi pour être là. Donc, on dit si on a une place. Pour faire ça? Comment vous avez lutté? Non, pas pour faire ça, en fait. Mais comment vous avez lutté? Comme il dit là, en retour, c'est la foutaise qu'on n'aime pas. Mais lutter comment? Quand tu te fous de nous, en vrai, on te ferme. Mais lutter comment? Comment vous avez lutté pour être là? Lutter pour être là? Oui, comment vous avez lutté? Quand nous sommes arrivés, d'abord, les gens nous ont indiqué, ils ont dit que c'est impossible. Les jeunes gens qui viennent d'arriver, ils ont trouvé beaucoup d'associations, mais quoi que ce soit, ils ne peuvent pas aller quelque part. Moi, personnellement, je me levais à 5h du matin. Quand il y a un artiste qui arrive à l'aéroport, je veux l'accueillir à l'aéroport avec le promoteur. D'accord. Juste pour pouvoir, en tout cas, avoir, comment dire, porter mon t-shirt au staff, au fait. Mm-hmm. Les images de l'artiste sont depuis l'aéroport jusqu'aux différentes chaînes de télé et radio, moi, je suis avec lui. Mm-hmm. Vous comprenez? D'accord. Ça veut dire que je me rabaissais, je perdais mon temps juste pour que mon mouvement puisse prendre. C'est ce qu'ils ont vu. Voilà. Quand le concert de Yamongo, on a fait le concert de Yamongo, on a sacrifié 120 t-shirts. Un t-shirt, je vends ça à 20 euros à Paris. Moi, et président, on a dit on doit sacrifier. On doit salir la salle avec nos t-shirts. Parce qu'on vient de sortir. Si on ne le fait pas, parce que ce concert, ça reste à vie. Okay, c'est d'accord. Le premier concert dans une grande salle. Okay. Et on a réussi à faire ça. On entend, poursuivons. D'accord. Donc,